un truc tout simple, on va voir si vous êtes bon ou pas. Quand j'envoie le kick comme ça, à la fin des phrases, vous faites tiens. Ok, on va voir à cappella si ça marche. Elle a pas besoin de ton argent qu'elle peut gagner en travaillant, c'est un être indépendant. Yes papa, on y va. Elle a pas besoin de ton argent qu'elle peut gagner en travaillant, c'est un être indépendant. Tu peux détacher sa ceinture, elle a pas besoin de ta grosse voiture qu'elle pourrait se payer en nature. Tu peux remballer ta CB, elle a déjà son porte-monnaie, elle n'est pas intéressée. Tu peux arrêter tes sermons, elle s'est déjà posé la question, elle a sa propre réflexion. Et tout ce que j'aime, pour ma part j'arrive plus à m'en passer tant. J'ai plus d'oxygène, j'arrive plus à respirer. Oh, elle veut un homme qui l'aime, à qui la protège et à qui la respecte. Elle veut pas qu'on l'élève, qu'on la contrôle, encore moins qu'on l'enferme. Elle a pas besoin de ses propres mots. Babylone manipule celle sur nos réserves. On pleure pour nos amis les bêtes, abandonnés sur le chemin. Et dans le même temps juste, pas capable d'aider nos frères, nos prochains. Logiquement entre nous et l'animal, devrait pas y avoir de photo. Pourtant dans l'histoire actuelle, l'homme est loin d'être le héros. L'animal et les hommes se plaignent. L'homme crève de faim et les autres le désert. L'animal et l'être humain à la même. Quelle est cette folie que l'on nous enseigne. L'animal jeune et les hommes, l'homme crève de faim et les autres le déhaine. L'animal et l'être humain à la même enseigne. On a une chance, mais on ne veut pas la saisir. On pourrait peut-être vivre heureux, mais on préfère se détruire. Évidemment, si l'homme se laisse mourir, il va y parvenir. C'est sûrement pas l'animal qui va l'aider. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une fine gâchette Joe, le roi du pétard. Qui sortait toujours armé, mais qui par hasard se retrouve un soir sans son arme paumée dans un bar. Il rencontre cette fille à qui il propose un verre. Elle qui avait tous les atouts pour lui plaire. Mais le problème c'est qu'elle était avec un autre peu compréhensible, j'irais même du genre assez hoche. Le gars lui dit évite de jouer les cow-boys, si tu continues ça va se finir dehors. Joe le prend au mot, veut la jouer corps à corps. Juste le temps pour lui de se prendre une balle et de s'écrouler mort. Après le chéri, par le mec qui était échappé. Je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent avec leurs flingues et leurs six coups. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent. Est-ce que la télé est dans le coup? Non. Oh, 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 oh. Allez viens vite glisser dans mon lit. Il ne s'agit pas de se mailler, mais de kiffer ensemble le paradis de nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez viens te mettre à l'abri, baby. Viens comme tes boules me fait dans ma fille des chocs. Wow, quand tu bouges je suis toujours sous le choc. N'aie pas peur de venir chez moi. T'inquiète pas je dis, je vais pas te mettre sur le matelas ou dans la cuisine. Je te laisse le choix de lancer du crime. Je serai Sherlock Holmes, c'est pas la vie. Et tu t'en perds bien avec une. On a vu ta vie. Tiens, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il ne s'agit pas de se mailler, mais de nipper ensemble le paradis de nuit. Dehors, il fait froid et j'entends même le bruit de la vie. On est bien te mettre à la vie. C'est toi que je veux voir dans le prochain Spielberg. T'es tellement chaud que tu fais qu'on les albergue. Tu es la cause du réchauffement climatique. Tu causes des troubles et ça c'est systématique. Même le papy, ton général, ton reparti. Pour un tour de la Gaule, ton corps vaut plus que des millions de dollars. Tu es plus bas que de l'or, on n'a qu'une seule vie. Car tu me donnes trop chaud. Allez viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de ça. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez viens te mettre à la vie. Baby, vraiment tu me rends bien. Regardons plus tard, c'est bien trop tentant. Oh maman, oh maman.
Elle m'a tout donné. Elle m'a donné la vie, elle m'a donné de quoi manger. Elle m'a tout donné. Elle m'a aidé à grandir, elle m'a donné de quoi m'aimer. Elle m'a tout donné. Elle m'a toujours soutenu et poussé dans ce que je faisais. Elle m'a tout donné. Elle a cru en moi et m'a jamais abandonné. Elle m'a appris à respecter les gens, à leur donner du temps et à ne pas les laisser tomber. Elle m'a appris que même face au vent ou dans le mauvais temps, il fallait pas se laisser sombrer. Elle m'a dit que le cas échéant, fallait rentrer dedans pour ne pas se laisser plomber. Elle m'a appris que d'être différent, c'est bon de temps en temps. Elle m'a aidé à m'assumer. Elle m'a donné toute sa vie et elle m'a aimé comme personne. Et même si ça me fait bizarre quand je dis, c'est grâce à cette femme que je suis devenu maintenant. Taïro, ici présent, mon grand frère de son. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Faites un maximum de lui pour le monsieur qu'elle a juste là. Ce soir, c'est pas n'importe quel soir. Depuis 50 minutes officiellement, c'est son anniversaire. Vous savez quoi? Ce soir j'ai 34 ans. Là je vais vous dire un truc. C'est exactement pour ce genre de moment qu'on est vivant. Et c'est exactement ce genre de moment qui permet de rester jeune là, juste là-haut là. Merci beaucoup.